Hey, vous comptez redémarrer le réacteur ou pas? Je vous ai sauvé la peau aussi. Hé, hey, faut pas vous sentir mal. On est en vie et on a de nouveau du courant. C'est tout sauf un échec. Vous feriez mieux de retourner voir Ford, d'ailleurs. Venez me rendre visite à l'atelier de temps en temps, ok? Je vous ferai une ristourne spéciale, a besoin d'un coup de pouce. Ça fait quand même du bien d'avoir de la lumière par ici. Vous prenez beaucoup de risques pour des gens que vous connaissez pas. Ah oui. Comme ça, vous essayez d'atteindre la petite île, hein? Les bruits courent vite. Surtout qu'il n'y a plus beaucoup de bruit par ici. Écoutez, je sais bien que je suis un illustre inconnu pour vous, mais... je veux vous aider. Je sens que vous avez... une destinée. Vous allez sauver le monde, hein? Voilà, c'est ça qu'on veut entendre. Tenez, j'aimerais vous donner ceci. Pas beaucoup de monde arrive à garder la tête froide là-dehors. Une vieille connaissance m'a dit que cette babiole permet même d'échapper à la mort. Au moins, pour un moment. Et si vous cherchez d'autres trésors pour vos aventures, venez me voir. Est-ce à son propre espace?
Juste là. Et à nous deux, on manque pas de ressources. Mais ce truc-là, c'est gratuit. Faites-en bon usage. Oh, et une dernière chose. Hélène, la commandante Ford en sait plus long sur cette île qu'elle le laisse paraître. Interrogez-la sur le fondateur du service 13. Elle vous mettra sur la bonne voie. Hé, hey, salut! Ravi de voir que vous avez redémarré le réacteur. Et je vois que Reggie vous a donné le cœur draconique. Il ne se séparerait jamais d'un artefact aussi puissant sans une bonne raison. Je suppose que ces notes vous seraient utiles. Très bien. Reggie joue peut-être les vieux fous. Mais il se trompe rarement dans son jugement. Vous avez prouvé que l'on pouvait vous faire confiance. Je suis disposée à vous aider. Mais je doute que vous puissiez survivre longtemps là dehors, dans cet état. Allez voir Riggs et McCabe en bas. Ils vous donneront un meilleur équipement. Revenez me voir après ça.